influenceurs de l'Afrique. C'est où ils ont fait truc pour les influenceurs et puis ils ont voté Marco Sola. C'est où, dites-moi. Ça prouve qu'il manque le président de tous les pasteurs. Puis il y a les pasteurs qui ne le connaissent pas. Pourquoi il fuit de faire Fafa et Gédéon? Puis Gédéon est sur la vérité. Lui prend les huiles de Doknou, les Akassa. Un président qui boit les belets, les déchirés qu'à le son. Un pasteur qui boit les déchirés qu'à le son, les belets, les jaunes amers. Il boit les koutoukou, il boit le matango, et puis il finit d'être dans son daiko, et puis il vient, il fait live vers vous. Et puis vous êtes là, vous le suivez, un pasteur qui parle de Mougouli sûrement. Mougouli, chaque jour, Mougouli, Mougouli. Lui, là, il est tout sauf pasteur. Il va nous dire la vérité ici. On continue. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous allez bien. C'est le général Kamil Makoso, le président de tous les influenceurs bloqueurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vois depuis un certain... Dans la famille, toi-même, le père en question, tu n'es pas gué. Un pasteur toujours en train de danser, manger, chier. Toujours en train de danser, biama. Toujours dans les bad buzz. Il est plus dans les guérets même qu'à l'église. Tu es où? Tu es où? Tu es où, vieux? Nous, on sait que là, aujourd'hui, là, tu peux ne pas avoir le bac et puis on paye. On paye. C'est comme entrer en sixième. On paye pour toi. On paye pour toi. Les gars, j'ai fait ce live aujourd'hui pour vous dire, restons tous soudés. Celui qui est contre nous n'est pas avec nous. Chers Africains, il n'appelle pas que les Ivoiriens. Demain, il refait un live. Après demain, il refait un live. On fait un live. Je compte pas sur le nombre de personnes qui me suivent. Je compte pas, même s'il y a 5 personnes en gestion commerciale. Mais moi, j'ai appris que depuis là, tes enfants là, il y a une là, elle rate bac sûrement. Donc le conseil que tu nous donnes pour dire d'aller à l'école là, faut donner ce conseil à tes enfants. Et puis surtout, faut nous dire, si tu es pasteur, tu es politicien, ou bien tu es, je sais pas quoi, je veux savoir. Voilà. Et puis après mon BTS, il a décidé d'arrêter l'école. S'il avait continué, il allait peut-être même avoir mon doctorat. Payer mes amis actuellement là, ils ont doctorat. J'ai arrêté après mon BTS time et puis j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est pas payé faire les vidéos ici, c'est payé que je suis fou et fais rien de ma vie. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais moi, j'aurais appris que non, il y a une de tes enfants depuis les rat back sûrement. Conseil que tu nous dis, au lieu d'aller à l'école, faut donner ça à ton enfant. Ton huile de claclo que tu vends à tes gens là. Huile de Doknou et puis huile d'Akassa que tu vends à tes fidèles. Je sais pas, les fidèles là, tu les gagnes comment? Ou bien c'est chequet féticheur, tu t'en vas et puis les gens sont dans ton église là. Huile de claclo que tu leur donnes pour dire que non, ça allait faire réussir là. Faut prendre huile là, tu as versé, si ta fille elle va voir bac là, on voit. Mais quand tu dis, c'est quoi cette vague de nouveaux TikTokers mal élevés? Tu nous mets nous tous dedans. C'est dit que mes parents m'ont pas bien éduqué. Je suis le fils de mon père et le fils de ma mère.